y todas las terras, y poda ore que ton alegres ton podo, to son una racoluzi, aresti ton y toro, y de ira rusi, tus talmundas, ef cardios proscopin, ton son potmon.
Une nouvelle. Heureux de te rencontrer. C'est ton premier banquet des fervents partisans? Oui. Ne sois pas si nerveuse. Va, mêle-toi aux gens et nous boirons ensemble à la santé des nouveaux venus. Oh, si tu ne sais pas comment engager la conversation, va dire aux autres membres qui d'Adonis ou d'Hermès est l'âme sœur de Perséphone. Nous pouvons en discuter pendant des heures. Dis-moi, étrangère, selon toi, qui est l'âme sœur de Perséphone? Le dieu ou l'humain? Hermès! Il vénère visiblement Perséphone. Loué soient les dieux! Enfin quelqu'un de bon sens! Hermès est un incompris. Il suivrait Perséphone au fond des enfers. Perséphone a envoyé à Adonis un bateau magnifique, alors qu'il avait déjà détruit le précédent en tentant de fuir l'Élysée. Oh, quand ce garçon comprendra-t-il enfin qu'il ne peut espérer mieux que Perséphone? Loue Perséphone, l'ami. Qui espionne es-tu pour Perséphone? C'est ton groupe? Quoi? Non. Perséphone ne le voudrait jamais. Je pense que tu te trompes d'endroit. Il faut que j'aille voir d'autres gens. Aide-nous à trancher une discussion. Nous venons d'apprendre que Perséphone agrandissait son palais. Doit-elle bâtir vers l'est ou vers l'ouest de l'Élysée? Perséphone mérite le meilleur. Alors, à l'est. Quoi? Non! Il n'y a rien à voir dans l'est. Qu'aura-t-elle sous les yeux? La masure des quatre? Ça n'a aucun sens. Sais-tu que Perséphone a refusé d'inviter Hadès à son prochain banquet divin? Ça me paraît normal, c'est son geôlier. Tu passes un bon moment? C'est un groupe très fermé? Pas du tout. Nous accueillons les nouveaux venus à bras ouverts. Tous ceux qui sont prêts à parler sans cesse de Perséphone sont les bienvenus. Amuse-toi bien. Je sais que ce sont de vieilles rumeurs, mais que penses-tu des ragots selon lesquels Hécate veut s'emparer du trône de Perséphone? Il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'Hécate brûle de régner sur l'Élysée. Perséphone? Aveugle? Comment peux-tu dire ça? Elle est clairvoyante, au contraire. Elle a fait de l'Élysée un paradis. C'est une visionnaire. Je suis prête à trinquer. C'est... Tout le monde loue ton talent pour la conversation. Tu sais tant de choses sur Perséphone. Tu
Tu seras à ta place parmi nous. Ces gens sont loin d'être aussi mauvais que le prétend Hecate. Rassemblons-nous pour boire à la santé des nouveaux membres. Un instant. Le vin est... Je l'ai empoisonné. Alors que nous t'avons si bien accueilli, tu n'es pas une amie. Garde! Je vais te tuer! Hecate va devoir s'expliquer. Je m'attendais à un tout autre banquet. Pourquoi? Pression de m'être fait avoir. Thank you.
Kéré, Lucius. Merci de ta visite. Bienvenue, Vistios. Bonne journée. Bonne journée. Bienvenue à l'insurrection. Ces ruines ont été abandonnées lorsque Perséphone a établi son paradis. Ici, on ne nous ennuiera pas. Mais vous êtes si peu nombreux. L'armée de Perséphone est essentiellement composée d'humains dont elle contrôle l'esprit. Libère leurs pensées et amène-les-moi. Nous en ferons des soldats. Libérer leurs pensées ? Mon bon ami Hermès est un maître de la manipulation. Et ton bâton ressemble à l'une de ses créations. Certain. Il y a un avant-poste au sud-ouest d'ici, niché dans la main d'Hadès. Les guerriers ont été vus dans sa peau. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Ah.
côté. Debout. Désormais, Perséphone ne vous contrôle plus. Je suis quand même étonné. À notre première rencontre, j'étais certain que Perséphone t'avait envoyé pour... Pourquoi ? Me séduire, me troubler, me faire oublier mon amour. Mais quand je t'ai demandé de réduire l'influence de Perséphone, tu l'as fait. Je t'ai demandé de m'amener des guerriers, et les voici. Et pour gagner ta confiance, il m'a suffi de risquer ma vie. Dans l'Élysée, personne n'est ce qu'il prétend être. Alors, quand je vois une guerrière venue m'aider à m'échapper, j'ai le droit de me montrer sceptique. Il est temps de trouver d'autres guerriers. Des éclaireurs en ont vu un près d'ici. Un ancien héros spartiate. Il n'est pas sous l'influence de Perséphone, et c'est un homme réservé. Avec un tel champion dans nos rangs, nous ne pourrions pas échouer.
Comment saurais-je que je l'ai trouvé? À ce qu'on m'a dit, tu ne peux pas le rater. Léonidas ? Tu as les yeux de ma fille. Quelque chose a donc survécu à cette journée. D'où tiens-tu ceci ? De Myrine. Elle est ma mère. Si je suis ici, c'est que j'ai besoin de ton aide. Il faut que tu combattes. Je suis en paix ici. Pourquoi me battrais-je? Toute ma vie, on m'a parlé de mon grand-père. Le roi qui a craché au visage des dieux et transpercé de sa lance tous ceux qui menaçaient la liberté de son peuple. Aujourd'hui, c'est moi qui me bats pour la liberté. Et j'implore mon grand-père de m'aider. Nous allons devoir tirer profit du terrain. Tu vas combattre avec nous? Pas avant que tu m'aies affronté. Tu dis être la fille de Myrine. Je veux voir comment elle t'a formée.